Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue chez le Valaisan aux nouveaux abonnés. Bien sûr, comme d'habitude, merci pour tous les commentaires de jeudi. Je vous expliquerai un peu ce qui s'est passé au niveau de mon souci. On se retrouve ce dimanche pour la série Le Grand Domaine Valaisan. Alors, petit changement de map, encore une fois, j'en suis désolé, mais celle-là, ça n'a pas pris un peu mieux au titre de la série et de ce que je veux faire. Alors, bien sûr, j'ai gardé le concept de démarrer avec les véhicules et 100 000 euros, les véhicules qu'on a au début. Alors, j'ai juste changé un Valtra contre le Massey. Et j'ai vendu des petits trucs comme il y avait les pick-up. Mais je vais tout vous expliquer. Et aujourd'hui, en ce dimanche, les carottes sont cuites. Donc on va ramasser ces carottes. Vous voyez que j'ai loué la grosse Holmet T4. C'est pas évident dans le. Comment ça ici? Parce que comme vous le pouvez, hop, 1, 2, 3, je vais y arriver. Vous pouvez constater qu'il y a un petit ravin vers tous les champs. Automatiquement, ça, là, pour faire détourer le champ, c'est pas évident. Alors là, j'ai déjà rempli une remorque, hein. J'ai un super rendement. Pourtant, ce champ, je l'ai acheté, j'ai rien fait dessus, mais il y a un super rendement. Donc, c'est ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir, comment ça, je suis monté au crédit. Tiens, je vais vous montrer direct. Vous voyez que la map est immense, mais bon, ça, le Valaisan, il l'aime bien. Vous voyez que je suis monté à 500 000 euros de crédit, parce qu'il fallait acheter des champs. Hein. Il y avait au niveau des champs au tout début de la partie, le 53, 54, le 8 et le 33, mais qui n'étaient pas semés. Alors j'en ai deux qui sont semés déjà, du houblon et du colza. Et j'ai racheté deux là et les deux là. À côté, c'est des oignons, mais ils sont pas prêts. Et je me suis dit, tiens, aujourd'hui, on va pouvoir faire ça. Du reste, on va commencer tout de suite. On va replier la buse. Après, je repartirai de l'autre côté. Hop. Et il y a un super rendement. Alors, les premières remorques, je pense que je vais aller vendre ça. S'il y a un bon prix, comme ça me fera un peu de sous. Et déjà, déjà commencé à rembourser le crédit. Comme vu que j'ai 77 000 euros et des poussières, ça va bien aller. On fera de la fauche parce que comme ça on fera prendre des moutons. Alors peut-être que je vendrai pas tout. Je rembourserai pas tout le crédit hein, parce qu'il faut que je garde pour comment on avait commencé. Le projet c'était de prendre les moutons. Vous voyez qu'ici, c'est pas évident. En plus avec cette barrière qui est en collision. Ah non, elle n'est pas en collision. Ah il était intelligent. Par contre, vous voyez, pour tourner ici, c'est pas des plus pratiques. On va essayer de faire comme ça, tant pis si on en écrase un peu. Hop. Ah si, il est en collision. Hein. Je pensais que c'était pas en collision. Bon s'il en reste un petit peu, c'est pas bien grave. Hop, on va essayer de le prendre, ce poil de carotte là. Non, tu veux pas prendre. Hop. Ah voilà. Les fils ne sont pas. Vous voyez que c'est un peu galère. Bon après ça ira mieux parce que on fera pas tout le champ ça. Moi je le finirai de mon côté. Hop, allez. Oh là là la galère pour tourner. Ouais, alors ça c'est pas bien des plus pratiques. Il aurait pu faire un peu mieux. C'est vrai que la machine est grosse, mais bon, j'ai pas le choix hein, pour ramasser les carottes. Comment ça, un mode où il y a des holmères pour toutes les cultures, pour les choux, que ce soit chou rouge, chou blanc. Donc oui, je dis, désolé, vous avez vu qu'à la fin, je l'ai quand même mis en ligne, mais j'ai vu après. Donc j'ai un souci, j'espère que cette fois-ci, quand j'ai tourné les épisodes, ça va, pour le moment, ça a été. Problème qu'il y a, j'ai rien changé des mes réglages et pourtant bon j'ai fait la mise à jour d'OBS et depuis soit il me fait gros la taille du fichier ou soit est-ce que je vais arriver à tourner là? On va faire comme ça. On va arriver à tourner là, non? Hop. Non, tu veux pas? Bon oh là 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 là. Je vais me coincer. Ça va arriver tout soudain, le fail. Non, ça va encore. On va essayer de couper un peu cet angle là. De toute façon, je vais être plein.
Voilà, moi ce que je voudrais récupérer, c'est ce qu'il y a là. Voilà. Alors, normalement, ça braque bien, mais vous voyez, on va lever peut-être. Ça ira mieux. De toute façon, on va repartir dans l'autre sens. Ça sera plus pratique au niveau. Regardez les trous qu'il y a là. On va essayer. Oh, oh là là là. Pas l'abîmer, hein, c'est pas à moi. Je pense que je suis en train de faire des dégâts. Hop. On va essayer de descendre là. Voilà. Allez, grimpe, mon petit kiki. Non, tu veux pas grimper, hein, ça c'est, j'étais sûr. Est-ce que tu arrives à grimper un petit poil? Voilà. C'est une sacrée force, ces machines. Voilà, on est parti, mon kiki. Là, on sera mieux. On va faire un peu le détourage pour que je puisse manœuvrer. Oui, alors ce souci, en tout cas, j'espère que cette fois-ci, ça va être bon. Normalement, je vais contrôler, parce que bien sûr, je vous parle de ça, parce que je tourne en avance l'épisode de dimanche. Donc, je ne sais pas encore si la vidéo a bien fonctionné. Je vais regarder. C'est vrai que quand on tourne, ben, je regarde au montage, mais quelques parties de l'épisode. Donc, je n'ai pas vu. Et après, ben, j'ai cru que c'était au montage. Et non, j'ai bien regardé le fichier. Et c'est... freine, parce que tu es en train d'écraser les carottes. Voilà. Ce qu'on va faire, on va regarder le prix. On va se mettre comme ça, là, tranquillou. On va déplier ça. On va couper le moteur, de toute façon. On va ressauter dans le... dans le masset, et on va aller voir combien se vendent les carottes pour voir si ça vaut la peine de les vendre maintenant ou les garder. Carottes 630, ouais, c'est pas des plus terribles, hein. Je crois que c'est 630 agricultural coopérative. Bah, écoutez, on va mettre ça. On va quand même aller vendre. Je vais juste voir où c'est sur la map si c'est pas trop loin. On n'est pas trop loin, c'est ça qui est bien. On va mettre en route. On met les gyros, on va se mettre en vue intérieure, on va essayer de sortir par là-bas. Normalement, je peux passer. Donc, le prochain épisode, ben, sera, comme je l'ai dit, hein, la semaine prochaine. Je suis pas trop présent parce que bon, ben, j'ai les tournages avec Jérémy, que du reste, je salue Ced de Farmer 12, et Jérémy Jiffy de Farmer. Je salue également Agribart, mes fistons, hein, tout ça. Donc avec les tournages qu'on fait, c'est vrai que ça prend du temps. Et la semaine prochaine, c'est un peu comme une semaine de vacances pour moi. Bon, bien que je suis toujours en vacances, mais voilà. Il faut tourner là. Ok. On va y aller tranquillou. Je pense qu'on fera. Je sortirai quand même un épisode. On reviendra sur Terre Valaisanne aussi. Alors je vous l'avoue que j'ai pas beaucoup avancé. Dessus parce que bah voilà, j'ai pas eu trop de temps cette semaine, et au niveau du Val d'Airain, j'espère déjà que bah, j'ai eu souci avec OBS. Je sais pas si c'est la mise à jour, moi j'ai loupé la route parce que je vous parle. Oups, oh bah, les voitures sortent des champs. Allez, on va tourner là. Normalement, ça, bon, c'est champ d'herbe là qu'on va venir faucher. Par contre, il faut peut-être que je le laisse passer, lui. Voilà. Donc, j'ai semé deux champs qui sont là-bas. Ils sont grands. Hein. Ça prend du temps de mettre la chaux, de labourer, de semer. On laisse moi. Pour l'instant, j'ai gardé ceux d'origine. Eh ben, dis donc, t'as la tremblette, hein, toi, là-devant. où c'est que t'es, ta route? C'est vrai que le PDA, au niveau des routes, vous voyez qu'elle aurait pu être un peu mieux faite, mais bon, on s'y retrouve. C'est une grosse map, hein, si vous avez une petite configuration, je sais pas si elle tournera sans lag, hein. Moi, pour l'instant, je tourne entre les 60, des fois ça descend, ça dépend de la vue qu'on a, des fois je descends un peu. Mais j'ai pas trop de coups de lag. Ça c'est bien, on va dépasser ce connu là parce que je veux pas rester derrière lui. Il roule comme un pépère du dimanche, bien sûr. Où c'est qu'on arrive? Ouais, bah, c'est tout au fond. Hop, on va enlever ça. Normalement, bah, j'espère qu'on sera... que ça vous plaira. Je sais que j'avais eu des bons retours aux premiers épisodes.
sauf erreur, là c'est le troisième. C'est vrai que l'autre map, il y avait déjà la Stabule qui me plaisait pas trop. Et celle-là, elle me plaît mieux, et puis elle correspond mieux au titre, hein, ça c'est clair. Alors, on a toujours le multifruit, tout ça, et c'est vrai que la Stabule, elle n'était pas des plus terribles, quoi. En ce qui concerne les infos de la semaine, vous allez sûrement, si j'arrive, que j'ai plus mes soucis, et puis que j'ai bien les vidéos qui sont, hein, parce qu'avant, j'arrivais à préparer, comment ça, plusieurs épisodes le même jour et les mettre en ligne, les planifier, mais maintenant, j'y arrive plus. Voilà. Allez, on va vider ça. Du temps que ça vide, on regardera l'argent qu'on a fait. Je vais vous montrer. Regardez. En tout cas, la déco, c'est vachement bien. Si j'ai l'occasion, on va repasser devant. Je vous montre un peu dans cet épisode, un peu le concessionnaire. Il est magnifique, hein. Regardez, 13 000. Mais bon, le prix va descendre, ça c'est clair. Alors, on mettra peut-être en stock. On reviendra encore une fois vendre. Et parce que bon, je veux pas changer de remorque, hein. Je pourrais acheter une autre remorque, vendre celle-là, mais on va faire avec ce qu'on a au début. Nous, on va aller direct, c'est revider la machine, on va revenir revendre, et après, on fera encore un peu de récolte, et puis on se quittera là, les amis, hein, ouais. C'est dimanche, on est tranquille, on va faire un grand épisode pour ce dimanche. Si j'arrive, comme je le dis, hein, si j'ai plus ces soucis, eh ben ça sera mardi. Mardi, un épisode sûrement de Val d'Hérens. On ira faucher. Faucher et puis peut-être faire les balles de paille. Vu qu'on a dans le dernier épisode, on avait moissonné en bas. Je suis pas retourné, si j'ai fait un peu d'autres choses. Mais comme je dis, avec trois séries, pour avancer sur les trois séries, je peux pas tous les jours être devant le PC. Surtout que j'ai des cours la semaine. Donc voilà. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, je l'ai voulu rajouter une troisième série. Vous étiez tous d'accord, alors je l'ai rajouté. Donc on fera un petit gentiment. On n'a pas besoin de se presser, hein. Il n'y a pas besoin de 10 épisodes par semaine, hein. Tranquillou, comme ça vous avez le temps de regarder les épisodes tranquillou devant votre écran. Et puis voilà. Alors, regardez, on va s'arrêter. Je vais juste regarder s'il n'y a personne qui arrive. On va s'arrêter juste là. Ça, c'est le concessionnaire classe. Voilà, on va descendre. Regardez-moi ce concessionnaire. Oh là, c'est là qu'on là on peut prendre de l'essence. Là, c'est. Je vais pas faire une présentation de map, hein, ce serait trop long. Là, c'est où on répare, on change, on modifie, on configure les. Mais regardez, je pense que le mappeur aime bien classe. Regardez, il a mis des grands panneaux de machines, moissonneuses, tracteurs avec les détails. Il y a plein de détails sur cette map. Et ce qui est bien, c'est que voilà, ça lag pas. Je suis pas à l'abri, hein. Regardez, on rentre dedans. Je pense qu'il est fan, hein. Bon, il n'y a pas que ça, hein. Regardez, il y a des tracteurs, il y a des grands posters de classe, il y a des remorques, les charrues. Là, il y a un petit pulvée, et puis ça, c'est la déchaucheuse. Ouais, c'est pas mal, hein. Bon, il y a un machin vert. Ah, peut-être un petit défaut, là, il y a de l'herbe. Ah, bon, ça peut arriver, hein. Ça va être sur des grandes maps comme ça, les mappeurs, si des fois, s'ils sont plus partout. Là, on voit que. Je sais pas ce que c'est, ça. Ça devait être des chargeuses sur pneus. Mais regardez, elle est à moitié coupée. Bon, ça, c'est un petit défaut. Je sais pas rentrer, hein. Je découvre, là, elle a un peu en lévitation, la remorque. Donc, ici, je pense que là, on rentre dans le magasin, ouais. C'est. Après, ouais, c'est des détails, hein, de toute façon. Mais je le trouve pas mal. Alors, il y a mieux, hein. En face, on peut vendre les patates. Ici, voilà. Regardez, il y a encore la petite Espo ici avec un classe, Lamborghini et puis un Deutz là-bas. Il y a les petits posters. Là, il y a une petite jardinerie là-bas derrière. On peut vendre le fumier lisier. Là, ils ont caché un de ces machins verts. Ils ont bien eu raison. Là, on peut prendre de l'engrais. Acheter de l'engrais et de la chaux. Non, c'est pas mal, hein. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais après, bon, c'est vrai qu'il y a ces petits bugs là-dedans. Mais ça, c'est un détail. Mais on verra comment ça, au fur et à mesure qu'on avance, on pourra regarder les choses, hein. C'est comme il y a un truc à la ferme.
On ira après la ferme. Vous verrez qu'il y a un truc que je vais tester justement avec les carottes. Alors, je sais pas si c'est spécial patate, mais il y a des caisses, hein. Alors, je pense qu'on doit vider les caisses et puis je sais pas si on récupère, mais je sais pas si ça fonctionne pour les carottes et les oignons et les choux, etc. Les choux blancs, choux rouges. Allez, on va vider la machine. Voilà. Ce qu'on va faire, on va aller revendre ça. Je regarde juste le temps, on n'est pas trop mal. Les carottes sont cuites là, des bonnes carottes. C'est vrai qu'il y avait un moment que j'avais plus refait des carottes, et puis je me suis dit, bah tiens, ce dimanche, vous faire plaisir. Voilà, on est plein. On va essayer de reculer tranquillou pour sortir. On va se faire un peu de vue intérieure. Je sais que vous aimez ça. On m'avait dit, un abonné m'avait dit que ça faisait on s'y croirait, du réalisme, c'est vrai. Bon, après, il y a des fois, c'est pas évident, hein. Vous avez pu voir avec la Holmer, là, quand on doit tourner dans un champ comme ça, bon, bah, ça va aller mieux au fil de la récolte, parce que vu que je vais détourer 2 ou 3 fois que je puisse manœuvrer comme il faut. Bon, c'est clair que le champ est immense. Mais c'est bien comme ça. On fera peut-être les oignons, peut-être pas dans le prochain épisode parce que vous avez vu les carottes, mais on fera de la fauche parce que vu qu'on avait décidé de prendre, hein, rappelez-vous, les moutons, donc il faut que j'aie de l'herbe. Et par contre, j'ai pas, il n'y avait pas au début, c'est l'andaineur et le faneur. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est on va aller à la ferme, on va tester. Ce que je vous dis là avec les caisses au lieu d'aller vendre ça, ah, j'ai de quoi vendre hein, de toute façon, comme ça le prix bah, il remonte un petit peu. Là on remboursera peut-être 50 000 déjà comment ça, dans le prêt. La ferme est juste là à côté, hein. Vous voyez que là il y a un champ que j'ai labouré mais que j'ai pas encore semé. On va dépasser ce conneau en se dépêchant parce que ça arrive en face. Ça doit passer juste, juste. Voilà. On va rentrer ici. Oups, on peut rentrer par là ou là-bas. Là, il y a les silos. Bon, normalement, les silos, ceux-là, on les a déjà vus. Là, il y a un point d'eau. Et vous voyez que, bah, comme ça, on finira l'épisode. Je vous montrerai. Vous avez vu que j'ai récupéré un peu des carottes. Hein, vous savez comment ça fonctionne. Et puis, on regardera un peu le matos que j'ai gardé. Et voilà. C'est ici que je vous dis. Alors, il y a 2 triggers. Il y en a un là. Vous voyez qu'il y a des caisses et dedans c'est rempli, blindé de caisses, hein, de quoi, c'est des paddocks. Alors, est-ce que je peux vider là, ça? À mon avis, c'est que pour les, à moins que c'est dans l'autre sens, j'ai rien du tout pour le moment. Ça doit être à la limite que pour les patates. C'est bien dommage, hein. C'est bien dommage parce que ça aurait été sympa, ça soit aussi pour les. Mais on testera hein, quand on ramassera on récoltera les patates, on testera si ça ressort en paddocks. Non, non, c'est à moins que c'est là. Est-ce que c'est là? Non. Non, mais c'est pas là. Bah écoutez, je vais aller vider ça. Ah, bah, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Hop, vite fait. Alors je ne sais pas. Hein, c'est comme j'ai dit. Hop. Regardez, voilà, les paddocks. Alors, je sais pas, hein, j'y ai pensé comme ça, vu qu'il y a ce trigger ici, que les patates, on reste là-bas, et ça doit se mettre en caisse, et peut-être qu'il y a un menu qu'on peut demander, tant de caisses, tant de... pour savoir, voilà. Allez, on va éviter ça, puis on fera juste un petit tour vite fait au niveau de la ferme. Normalement, ici, ces silos, on doit pouvoir. Alors, il y a plusieurs fermes à plusieurs endroits avec des silos aussi, mais normalement, on doit pouvoir vider les carottes, non? On peut pas vider les carottes là? Ah, ça c'est con, ça, parce que je vais les stocker où si je veux pas vendre tout de suite? À moins que. On va essayer de faire une marche arrière, à moins que je. Souvent, hein, des fois, il faut se mettre dans l'autre sens. Allez, on va reculer là. Eh ben dis donc, le Valaisan aujourd'hui, il fait que de la vue intérieure. Il se débrouille pas mal. Allez, on va prendre un peu large pour pouvoir passer l'armoire. Des fois que ça peut arriver qu'il y a. Mais non. Par contre, à l'OS, si je peux pas vider là-bas les carottes, pas vider là, ben, je sais pas où je vais les mettre, ces carottes. Oh, là-bas, il y a un silo, mais c'est. Peut-être que essayons à moins que je peux vider là. Voilà. Est-ce qu'il a prévu ici? Voilà.
Ça, c'est vrai que ça. Mais bon, c'est pas grand-grand, hein. Ben c'est bien, ça fera une activité de recharger. Mais je vais couper le moteur. On va se faire juste, vous voyez, c'est ici. J'en ai déjà mis. Or, ici, vous avez la grange. Et voilà tout ce que j'ai gardé, plus ou moins. Il y avait un culti ici. Les petites faucheuses qui vont bien. Bon, pour l'instant, je vais pas les changer. J'ai gardé le lemken ici. Ici dans le bâtiment là-bas il y a le réservoir avant. J'ai gardé celle-là, vous voyez que j'ai été semé. Pour l'instant elle va bien. Je pense après acheter au niveau des orches. J'ai vendu la charrue parce qu'elle faisait 2,5 m. Vu les champs, bah, c'est déjà long avec le Weber 6 mètres. Bon, il faut que je le répare, hein, vous voyez. C'est vrai qu'il a toujours un bug ce Weber là. Il y a une herse, quoi, une cercleuse, que j'ai gardée aussi parce que c'est pratique pour la mauvaise herbe. Ici, on a la barre de coupe bah, qui est sur roue, ça c'est pratique. Et c'est la maïs qui est petite, hein, si c'est un grand champ, à peut-être changer. Vous avez qu'à appuyer sur les boutons, puis ça descend. Là, il y a les poules brésiliennes. Et puis, bah là, il doit avoir pour vider les graines et puis récupérer les œufs. Est-ce que ça s'ouvre ici? Ça s'ouvre. Voilà, on peut les voir, les poupoules là-dedans. Et ici, eh ben, il y a l'autre hangar où il y a une autochargeuse ici. Il y a un arcusin à balle carrée, mais j'ai la presse qui est dans le bâtiment là-bas, qui est la carrée. Peut-être que je changerai. Il y a un pulvécune là, qu'on changera peut-être. Il y avait le Brenda à deux essieux que j'ai gardé. Il y a cette petite remorque que j'ai achetée parce qu'elle est pratique. En ce moment, bah, je crois qu'il y a de l'engrais dedans. Vous voyez qu'il y a la petite buse derrière. C'est pratique pour amener au champ pour remplir. Bah, il y a la Mosvalanova là, que j'ai gardé, et deux dolly que j'ai gardé. Bon, c'est vrai que la contenance, vous avez vu, hein, la contenance est pas énorme. J'ai placé un petit karcher ici. On a deux Valtra, Stara. Bon, je les ai gardés parce que c'est vrai, on les voit pas souvent pour le moment, hein. C'est vrai que le problème qu'il y a, il a cette masse à l'avant. Je peux pas la poser. Quoique peut-être que je peux la poser, je sais pas, j'ai pas bien regardé. Donc je peux pas mettre autre chose devant. Vous voyez qu'ici on voit le réservoir. Il y a un épandeur que j'ai acheté à engrais ici, qui est pratique parce qu'on peut changer. Il a plein d'options en plus celui-là. Je vous montrerai la prochaine fois dans le magasin. Vous voyez qu'il y a la cune ici. Mais pour l'instant, je n'ai pas de champ où je peux faire de la paille. Et ici, ben, vous avez un petit atelier quand même ici. Et le chargeur avant pour les palettes. Il y a le réservoir d'essence. Voilà. Et la maison, comme d'habitude, c'est pas mal, comme corps de ferme, c'est bien disposé. Bon, bah écoutez les amis, moi je vais vous dire de bien finir votre dimanche. Vu qu'on va se retrouver sûrement mardi ou mercredi, je sais pas encore, comme je l'ai dit. Je vous souhaite d'avance un bon début de semaine à vous. N'hésitez pas les pouces bleus, les commentaires, ça fait toujours plaisir, hein, c'est un peu une reconnaissance pour nous. Et puis moi, je vais vous dire tout de bon, comme on dit chez moi, et à très vite. Salut!